Romain Mareuil, bonjour. Bonjour. Bon, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Ça remonte à juillet, C'est ça. une saison blanche à cause d'une blessure. Peux-tu nous en parler? Ben ouais, ça fait 8 mois là, 8 mois ce mois-ci que je suis blessé pour 26 secondes de jeu contre la section, donc c'était très très long. Dur à vivre, mais je suis vraiment content et heureux de revenir, de pouvoir postuler pour ce match contre Mont-de-Marsan. Alors justement, toi, ancien Montois, qu'est-ce que ça te fait de rejouer ton ancienne équipe et surtout, comment tu appréhendes ben, cette Pro D2? Ça va être ton entrée dans le grand bain. Bah, j'appréhende un peu, c'est vrai, parce que déjà il y a la blessure, donc il y a toujours un petit peu de crainte sur certains appuis, tout ça. Mais voilà, la Pro D2, je suis content d'y être, et maintenant il va falloir que je prouve que j'ai le niveau, hein. Il va falloir que je rehausse le niveau et que je me mette à la hauteur de l'équipe. Face à ton ancienne équipe, tu as pas mal de copains encore dans l'effectif Montois. Ouais, j'en ai quelques-uns, mais dont mon cousin, troisième ligne, normalement il devrait commencer le match, donc je risque de le croiser en fin de match, il me tarde. C'est un match, une nouvelle fois, capital et décisif pour le maintien. Il faut que Chanzy soit comble et chaleureux. Exactement, on attend tout le monde, le public va être hyper important, le temps ne va pas être hyper sec, ça va être compliqué, donc il faut vraiment l'appui du public contre une équipe de Mont-de-Marsan qui vient jouer presque la première place, donc c'est un match capital pour eux, mais encore plus crucial pour nous, donc on attend vraiment tout le public de Chanzy. Bah écoute, on te souhaite une très très bonne reprise, Romain, merci. Merci beaucoup.